Constantine le Rocher. Le pont de Sidi Rached, enjambant rive gauche et rive droite, un pont en pierre fixe et pourtant en perpétuel mouvement. Ce pont symbolise le lien entre les deux rives, créant une communication solide entre le passé, la Médina et le présent. Notre projet que nous allons voir. Les deux, passé et présent, forment sans doute le futur. N'est-ce pas la logique des ponts entre les civilisations? Surplombé par trois corniches, le bardo, Awad et Mustapha et Koudia plongeante sur le pont de Sidi Rached et Oued Roumel. En face de ces trois corniches, surplombant de la même manière le pont et Oued Roumel, la forêt. Dans l'Oued se trouve Jnen China, route de Roumanie et chalet des pins, ainsi que d'autres constructions illicites. Toutes ces habitations précaires et spontanées venant s'agripper à la ville, la poussant à renier son passé. Constantine réfléchit, doit-elle se réconcilier avec son passé riche, penser à son avenir ou tirer sa révérence ? Constantine renaît de ses décombres et doit faire face à son vrai statut de métropole, capitale de l'Est. Son pont, son oued doivent participer à son développement. Émanant du oued, la naissance de la nouvelle ère de la capitale de l'Est. Le pont de Sidi Rached consolidé est construit de l'intérieur. Deux vues plongeantes, d'un côté sur la Médina, de l'autre sur la nouvelle capitale. Aménagé en boutique, café-terrasse et restaurant. Thank you.
tours, jardins suspendus, cafés-terrasses, galeries, commerces, piétonnes. Zones d'État, palais des congrès, sièges de banque, palais de la culture, théâtre, bibliothèque, musée, hôtel, centre d'affaires, sièges pour sociétés nationales et multinationales, salles de cinéma, restaurants, boutiques, artisanat, cafés, salles de sport, parkings, habitats et résidences, jardins suspendus, aménagement d'espaces verts et parcs. Font de ce projet un projet socio-économique prenant en charge la wilaya et ses problèmes sociaux avec une infrastructure adéquate. Social, par la création de nouveaux postes d'emploi et la formation des jeunes, ainsi que l'atténuation des besoins en logement. Économique, par la centralisation des nationales et multinationales. Il est nécessaire aujourd'hui que Constantine rattrape le temps passé et retrouve son statut de capitale, faisant référence à son histoire et sa situation géographique qui le permet. Constantine mérite la réflexion.